Alors la Belgian Homeless Cup est une initiative socio-sportive et qui s'adresse à un public sans abri ou sans chez soi ou en très grande précarité. Et on utilise le football comme moyen pour redonner de la confiance en soi, pour redonner un chez soi par l'intermédiaire d'une famille qui se retrouve chaque semaine ou à l'occasion ici que toutes les familles se réunissent pour une grande réunion de famille, disons. J'adore le football, donc ça me permet de me défouler. Et puis en plus, je retrouve des amis toutes les semaines, une fois par semaine. Et j'aime bien ça. De toute façon, j'adore le football en général. Donc voilà, et tous les mardis, ben, on est en entraînement et on se rejoint tous. Je travaille maintenant chez Miribois, alors qu'avant, je n'avais rien, pour être clair. Et grâce à Homeless et à tous ceux qui m'ont aidé, ben, j'ai su retrouver une ligne droite et voilà. Tu es repris pour la Coupe du Monde, c'est ça? Tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe pour toi? Pour le moment, j'ai encore du mal à réaliser parce que rien que le fait de porter le maillot belge, c'est au-delà d'un plaisir, c'est même un grand honneur. C'est une première wallonne. Alors pourquoi Liège? Parce que notre équipe de Liège, donc Standard Homeless de Liège, fonctionne bien depuis longtemps. Et voilà, c'est pour moi une ville qui bouge beaucoup en termes d'associatifs, etc. Donc c'est vrai que ça nous a parlé tout de suite. Et en plus, la possibilité de réaliser cet événement devant les guillemets est plutôt géniale. Parce que notre objectif aussi sur le plan national est de sensibiliser les navetteurs à ce type de sujet. Et là, il y en a 18 000 qui passent par jour. Donc c'est un bon endroit, je pense. Ici, on a la chance d'avoir la Fondation du Standard qui nous soutient aussi pour l'organisation, en tout cas des lunchs. Et sinon, de manière pratico-pratique, l'équipe Standard de Liège est venue hier pour monter tout ça avec nous. Et ça a été une aide extrêmement précieuse. Grâce au coach, on a pu réussir à que tout soit bien prêt et finalisé hier soir. La fondation en fait est née d'une réflexion avec Bruno, puisque au départ, quand il a repris le club, on sentait bien que c'était autre chose que le football et qu'il y avait tout un contexte autour du foot. Et donc après une réflexion, on s'est dit pourquoi pas créer cette fondation qui serait un peu le vecteur par le sport pour la famille des Rouges au sens large, c'est-à-dire les supporters, les joueurs, les annonceurs. Et donc émanciper quelque part par le sport cette solidarité qui est incroyable et qui est certainement unique ici en Belgique, dans le foot belge. Et donc et des projets comme aujourd'hui sont révélateurs de cette idée, à savoir pouvoir réinsérer comme ça des personnes qui n'ont pas grand-chose, de les voir sourire, de les voir s'amuser, c'est vraiment magnifique. Par l'esprit du sport, par l'esprit du foot. L'ambiance est plutôt au top, comme en tout cas, l'image de la météo ce matin, c'est vraiment, on se plaît super bien, tout roule, il n'y a eu aucun souci, on est super contents. Tous ensemble, tous ensemble, hey hey.